Gallo-Romain. Dans quelques instants, vous allez découvrir Gladiateur. Dans le cadre de ce spectacle, des animaux sauvages, sensibles aux mouvements du public, vont évoluer sur scène en toute liberté. Pour le bon déroulement du spectacle et pour votre propre sécurité, nous vous demandons de bien vouloir rester assis à votre place jusqu'à la fin du spectacle. Merci à tous de votre compréhension.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le Stadium gallo-romain a été construit sur une colline conquise par Jules César en 58 avant Jésus-Christ. Il y installa ses premières sentinelles qui avaient pour mission de surveiller la colline d'en face à laquelle il choisit de donner le nom d'une légion, la Légion sifflepante des Alouettes, le Mont des Alouettes. Ici comme ailleurs en Vendée, il suffit de fouiller la terre pour trouver des vestiges de cette époque qui apporta la paix et la prospérité. Les découvertes les plus retentissantes datent de 1848. En plein été, au village du Cormier, à Chavagne, des terrassiers mirent au jour un fabuleux gobelet à décor moulé où étaient inscrits les noms des plus fameux gladiateurs de Rome venus combattre dans notre région. Ce gobelet se trouve aujourd'hui exposé au Corning Glass Museum de New York. Plus au sud, au même moment, des archéologues découvraient la tombe d'une femme artiste remplie de pierreries à Saint-Médard-des-Prés. Il y a quelques années seulement, à Champenay, on exhuma une vaste villa. Ces gladiateurs, cette femme artiste, ces villageois, ont vécu la période charnière qui a changé la face du monde et fondé notre civilisation. Nous voilà dans une fin d'empire troublée au IIIe siècle après Jésus-Christ, au début du règne de l'empereur Dioclétien. Et nous nous retrouvons autant resplendissant des jeux du stade et autant paroxystique des martyrs de la Gaule, comme Saint-Domnin à Avrier. À ce moment précis, les Gaulois embrassent le christianisme et les gouverneurs de Rome ne sont plus obéis. Il y a toujours le décor, la parade, les honneurs, mais l'esprit est ailleurs.
Citoyens, je vous accueille à ces jeux au nom de notre divin empereur, Dioclétien. Nous les dédions à la gloire éternelle de Rome, qui pour vous est la seule patrie. J'ai fait venir les origes les plus illustres et les gladiateurs les plus convoités de l'Empire romain. Mais chacun a pu voir de ses propres yeux qu'un sacrilège a été commis ce matin même dans cette arène. Un poisson a été dessiné de main d'homme sur le sable de la Spina. Or, ce poisson est le signe de la conspiration de ces prisonniers qui s'appellent chrétiens et qui se réunissent en secret pour se rebeller contre les dieux de Rome. La garde des Alouettes a arrêté hier soir une dizaine de ces Gaulois pour les punir ici, dans ce stadium. Je ne veux plus jamais voir ce signe du poisson dans nos campagnes ou ce signe de la croix sur les voies romaines. Si donc l'un des prisonniers gaulois chrétiens connaît et dénonce le coupable, les autres seront sauvés. Je les libérerai sur le champ. Sinon, ils seront condamnés à l'appel des jeux. Qui a tracé ce matin, avec sa sandale, son bâton, le signe du poisson, le signe des rebelles, le signe du blasphème? Qui donc a voulu narguer le divin empereur de Rome? C'est moi! Toi, le commandant de la Légion de l'Alouette, Gaulois, mais aussi citoyen romain? Oui, c'est moi! J'ai seulement voulu protester dans ce temple de la cruauté contre la religion du sang. Le traître! Mets-le-terre! Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas abandonner ces gens dont j'ai la garde et cette femme prisonnière que j'aime, qui s'appelle Soline. Monsieur le gouverneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment un peuple qui a conquis l'univers peut être suspendu à ces jeux sanguinaires et se vautrer dans le ruisseau de l'immonde. Ce grand peuple qui jadis distribuait le pouvoir, les faisceaux, les légions, ce peuple, aujourd'hui déchu, ne souhaite plus que deux choses au monde. Du pain et des jeux. Oui, c'est moi qui vous fais dessiner le signe du poisson. Condamnez-moi si vous voulez, mais je vous en conjure, épargnez les autres, mes frères et sœurs, épargnez Soline. Centurion Damien, Rome n'épargne pas les traîtres. Comment le commandant de la garde, dont l'aïeul s'est couvert de gloire aux côtés de César, à Pharsale, avec la Légion de l'Alouette, peut-il refuser de sacrifier aux dieux, s'éprendre d'une femme renégate et trahir son serment à l'empereur? Damien ne renie rien. Il s'est converti. Il entend obéir à Rome. Et il prie le dieu des chrétiens. Puisque vous avez l'air si fiers tous les deux, et que vous prétendez tirer votre force d'un autre ciel que le ciel de Rome, je vous propose, au nom du peuple ici rassemblé, de relever le défi suivant. Vous aurez à passer les épreuves des jeux. Si vous en sortez vainqueur, je m'engage à vous rendre la liberté. Je suis prêt à affronter Rome. Qu'on donne aux traîtres, centurion, un filet intrigant, qu'on lui laisse choisir trois prisonniers en renfort, afin que le combat ne soit pas trop inégal. Citoyens de la Gaule romaine, ce traître et ses amis vont devoir affronter les quatre plus grands gladiateurs de l'Empire qui, hier soir, ont franchi les Alpes et sont arrivés d'Italie. Les voix.
voici. Proculus, le Samnite invaincu à Lutèce. Columbus, le Thrace invaincu à Carthage. Héroméros, le fameux Myrmillion invaincu en Orient. Nicéphoros, le rétière qui a rallié Rome. Aux quatre gladiateurs de l'Empire. De me faire justice moi-même. Demande pardon à l'empereur pour tes blasphèmes. Si tu acceptes de sacrifier, tu es libre. Les Vestales t'attendent. Puisque tu refuses, tu vas devoir te mesurer avec les meilleurs origes et les meilleurs quadriges de l'Orient et de l'Occident. Garde ! Donnez-lui un quadrige blanc. Et faites entrer! Le quadrige bleu, le Triumphus, l'orige du Palatin.
de Rutuba de Carthage. Le quadrige vert de Félix de Capo. Son bon plaisir. Let's go!
coutume, une page, une couronne de laurier pour le vainqueur? Non. Il n'y a pas d'autre couronne pour ce respect que la couronne d'épines. Damien a gagné les épreuves des jeux. Tu avais promis, s'il sortait vainqueur, de nous libérer. Tu ne respectes donc pas ton serment? Je n'ai pas à respecter ceux qui, dans l'Empire, sèment le désordre. Mais nous sommes pour l'ordre et l'obéissance. Taisez-vous! Vous êtes des conspirateurs. Mais non, nous sommes des chrétiens fidèles de Jésus. Mais tu le nommes roi, ce Jésus. Oui, il règne sur nos cœurs pour la justice et la charité. Mais quel mal y a-t-il à sacrifier à Jupiter et à Vesta? Je ne le ferai pas. Et quel mal y a-t-il à dire à César? Seigneur, je ne le dirai pas. J'en appelle à vous, à votre cœur d'homme. Damien est un Gaulois, citoyen romain, que l'on ne peut convaincre d'aucun crime. Il avoue seulement qu'il est chrétien. Et vous le condamnez? Et vous le désignez à la vindicte pour les malheurs de l'Empire? Rome n'a que faire de vos leçons prétentieuses. Demandez pardon à l'Empereur pour vos blasphèmes. Cessez d'en vouloir aux gens humains et de haïr le monde entier. Qu'on en finisse! Faites entrer les prisonniers! Si nous étions du monde, le monde aimerait son bien. Ne vois-tu pas, représentant du dernier César, que ce monde-là est malade, vieux, que votre empire craque de partout, qu'une crise imminente se prépare, que des choses nouvelles et inconnues vont survenir. Ce monde dont tu parles, il s'écroule. Comme dans un édifice lézardé, il n'y a plus rien qui tienne. Il n'y a plus de justice parce qu'il y a trop de pouvoir. Il n'y a plus d'hommes parce qu'il y a trop d'esclaves. Il n'y a plus de religion parce qu'il y a trop de dieux. Les dieux innombrables que vous adorez sont de faux dieux. Ils se fondent à eux-mêmes à l'épreuve des croix et des fauves. Enfermez le traître Centurion dans la cage pour qu'il assiste aux fiançailles de la belle Soline et d'un félin puissant de la Rome impériale. Arrêtez ce massacre! Quel est donc ce gouverneur qui ne respecte pas sa parole? Ce gouverneur qui ne gouverne plus ses instincts? Garde! Arrêtez immédiatement ce traître! Et vous, spectateurs gaulois, qu'est-ce que vous voulez au juste? Vous voulez les entendre crier? Les entendre hurler d'effroi? Vous voulez mesurer votre puissance à votre manière de mettre le pouce en bas et d'être obéi par des fauves? J'ai déjà vu, moi, dans ma vie, une fois, ce spectacle au Colisée à Rome. J'ai vu les lions s'approcher doucement et se précipiter sur leur proie. J'ai vu un pouce d'empereur insister lentement, s'enfoncer dans le vide, comme pour déchirer les chairs. J'ai croisé le regard de feu, insoutenable,
suppliant des victimes affolées, effarées. J'ai entendu un râle infini à la face du monde. Un gémissement venu des profondeurs de la terre. Et j'ai résolu ce jour-là de ne plus jamais accepter de blêmir en silence. Quand la douleur des uns fait le plaisir des autres, cela veut dire que l'homme n'est plus dans l'homme. Que Rome n'est plus dans Rome. Garde ! On le jette dans l'arène avec les autres ! Faites entrer les pauvres ! Thank you.
livre du gouverneur. À la justice et à la colère de Rome. Garde, on les exécute sur le champ. Légionnaire de l'Alouette qui m'avait loyalement servi et que j'ai eu le grand honneur de commander. Qui est le vrai traître? Moi, votre commandant? Moi qui ai prouvé ma bravoure dans les campagnes et dans cette arène? Ou le gouverneur qui s'est parjuré tout au long de ces jeux? Légionnaire, laissez parler votre cœur et votre conscience et condamnez le vrai traître. Et vous, spectateurs gaulois, vous voulez nous aider? Alors, levez-vous, mettez vos pouces en haut. Oui, levez-vous et faites-vous entendre. Le sang n'a que trop coulé, qu'on épargne sa vie. Gagna Rome à pied, portant au Sénat le signe de son échec et le message d'un nouveau monde. À la place du temple de Vesta, on éleva une simple basilique, dans laquelle les premiers mariés de l'ère nouvelle furent Soline et Damien.